Let's go! Je pense que tu vas péter un plomb. Léo, appelle les pompiers! Stop. Ah! Putain. Il faut être fort. Ah putain, Tristan, laisse-moi faire! Oh! On est parti. Alors. Mot de passe? Bistouquette. Tous les autres. Parfait. Ça va ou quoi? Bah écoute, ça farte, hein! Aïe! Ah, y'a un vélo qui est tombé sur moi là. Alors, si t'essaies de me tuer. Accident! Si t'essaies de me tuer, ça va pas le faire. Léo, appelle les pompiers! Hein? Tu galères pas, ça? En fait, c'est léger. Ah bon? Je suis choqué, mais c'est léger de ouf. Alors! Tu me suis? Je t'ai fait un petit débrief. Vas-y, fais-moi tout. Je pense que tu vas péter un plomb. Ouais. Oh, alors! Oh putain de sa mère. Oh, attends, faut qu'on bouge tout ça là? Attends. Tout ça, ça va dans la chambre en vrac. Ouais. Ok. Mais vers la fin. Quoi? Même pas au début, c'est vers la fin. Qu'on fasse à la fin? Oui. Pourquoi? Alors, attends, laisse-moi finir. Je vais t'expliquer. Putain. Le bureau, ainsi que tout ce qu'il y a en dessous le bureau, d'accord, va venir là, dans le coin, là, juste ici. D'accord. Comme ça, ça prend pas de place dans le salon. Ma mère, quand elle peut revenir dans le salon, elle a de quoi trier, l'espace pour démonter le bureau, elle a tout ce qu'il faut. Ok? C'est pas fini. Oh putain. Ça déjà, c'est juste le début, ça va nous prendre des pompes. Ok? Ouais. Ensuite, le canapé va venir de ce côté-là. Ok. Le meuble à casier que tu as vu, là-bas. Ouais, le meuble à casier, ok. Non, t'as essayé de soulever tout seul, ouais? Ouais, bah il est très léger, mais bon. Ouais. Il va venir s'allonger ici. Ok. J'aurai ma télé, ma play, etc. qui sera en coin. Ouais. Oh, okay. Ça va être un beau truc, ça. Mon bureau va venir se loger soit ici en longueur, soit ici en longueur là. Dans tous les cas, le meuble, dans tous les cas, le bureau passe largement en longueur à côté du meuble à casier. Cette armoire de bœuf qui sera certainement le plus gros casse-tête de ta life à transporter. Et je rigole zéro. T'as enlevé les affaires dedans avant? Non, justement, il est blindé à ras-bord et ma mère veut le trier que lundi. On n'enlève rien dedans? Bah, faut qu'on enlève au fur et à mesure qu'on réussisse à tout garder de côté et qu'on remette tout dans l'armoire. Ouais, parce qu'une fois, j'ai bougé une armoire où il y avait plein d'affaires dedans et l'armoire, elle s'est explosée en quatre. Le problème, c'est que déjà, même à vide, elle n'est pas du tout fixe. Ouais. Bon, bah, elle va exploser quoi. Ça va faire un bon titre de vidéo, ça. On prendra une belle photo quand elle sera pétée en 5, d'accord? L'armoire, il faut qu'on me l'amène dans ma chambre. Quoi? Dans ta chambre? Alors, c'est Roman. L'armoire, il faut qu'on l'amène dans ma chambre à la place de justement de mon bureau. Ok. C'est à peu près tout. Après, le reste, le tri des affaires, etc., c'est moi et ma chère qui nous s'en chargeons. D'accord, ça marche. Bon, bah, je vais te laisser, moi. Je vais partir et puis bah bon courage. Attends, mais t'es un malade toi. Moi, tu sais, je viens en mode bah ça va être tranquille. Le mec il m'annonce, il y a 6 meubles. Tristan, quoi? Absolument, tu dois autre chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du coup, on a l'interdiction de démonter le bureau. T'es d'accord avec moi? Oui. Ma question c'est comment est-ce qu'on fait passer le bureau? Putain. Mais comment elle l'a emmené ici? Elle l'a monté sur place. Oh putain, vas-y, c'est bon, je me casse. Tu m'apprécies, hein, n'est-ce pas? Je te déteste. Je te garde juste parce que t'as un terrain. Le bâtard, ça fait mal. Ça touche en plein cœur. Là, tu le pousses juste dans le fond, sans mal. Juste pour faire de la place. Stop. Putain, je me suis bien... Bah, merci. Donc, bah, c'était cool. Allez. Fin de séance. Allez. Mon bureau doit être installé ce soir. Parce que demain matin, je stream. Ouais. Et demain matin, il y en a une qui dort. Demain matin, c'est ici que ça doit se passer. Ouais, je vois le truc. Voilà. Ok, ça marche. Donc on a une demi-journée pour installer l'entièreté de mon setup. Ça va le faire. Large. Au pire, je la reprendrai dès qu'on aura tout enlevé parce que ça... Ou alors, je vais prendre mon trépied, je le mets là. J'arrive. Ah, la vie d'influenceur, je te jure. Il y en a qui déménagent, il y en a d'autres qui fait des plans, quoi. Mais on peut pas tout avoir. Hein. Dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Allez, c'est parti. Action, là, tu fais rien depuis tout à l'heure, là. Fils de pute, oh là là. Oh, tu ressembles à ta mère. Oh, tu ressembles à ta mère. Je suis content de savoir, frère. Oh la vache. Ah. T'es con. Oh putain, un ordi gamer. Oui. Il faut qu'on parle de ce PC, frère. La première fois, frère, de ma vie que j'ai joué à Dofus, c'était sur ce PC. Waouh, il est vécu alors. C'est faux. Ah donc, bah. Totalement faux. On l'a récupéré d'un mec qui nous l'a réparé, on l'a jamais allumé une seule fois. J'ai branché pour ma mère, elle l'a jamais utilisé. Oh, c'est quoi ça? On dirait un... Il y avait ça dans le temps, ça servait à quoi? À mettre un casque. Toi, t'es en manque de variété, toi. Oh, c'est... Toi, t'étais sponsorisé par Corsair, non? Regardez les bons vieux claviers de l'époque, là. Au moins 1942, mon cousin.
On va bientôt finir. Putain, sa mère. Tristan, le sac que j'ai, il est troué. Par contre, toi, je t'aide, mais t'as derrière à venir m'aider quand on prend ma peinture et tout. Hein. Bah ouais, 100%. C'est vrai, il va falloir qu'on fasse deux chambres, hein, ça va être la merde. Hein. T'es monétisé sur tes vidéos? Ouais. Cool. Je prends 10%. Attends, je vais capter un truc là. Quoi? Oui, bon. Ça passera pas, je pense. Ouais, l'argent, il passe même pas à la porte. T'as des tournevis ou quelque chose? On a pas le droit de le démonter. Bah arrête, au bout d'un moment, il va falloir qu'on le démonte. Je suis sûr qu'on a pas le droit de le démonter. Ah, oh, je vais te faire une dinguerie. Oh, je vais faire une dinguerie. Quoi? Putain. Et il faut un tournevis. Je vais garder ça. Mais je vais pas le garder. Je sais pas. Ah putain, Tristan, laisse-moi faire. Ça suffit. Et là, normalement, comme par magie, on devrait pouvoir faire ça. Oui, ça fonctionne. Ça marche pas du tout. Je mets un tapis. Oh putain de sa mère. Ok. Ok. Oh. On a peut-être dû enlever ça avant. Stop. Pose. Mais je peux pas le poser, je me pose sur le dos. Direction salon, direction. Oh putain, oui. Toi, tu penches vers toi. En bas, vers le 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 bas. Tristan, faut le soulever un minimum le truc, hein. Bah, faut me le dire, moi. Stop. Le meuble est en train de se décomposer. Attends, parce que j'ai plus de prise. Le meuble se décompose. Le meuble se décompose dans mes mains, Tristan. Baisse. Voilà. Mais au pire, on peut glisser. Genre, qu'est-ce que tu viens de casser les couilles? Le meuble qui se décompose dans mes mains, Tristan. Ta mère, elle regarde ma chaîne ou quoi? Tout va bien. Y'a rien qui casse. Il tourne tout seul le mec là. Regarde. Non. On fait hop. Peut-être un morceau qui est resté. Mais si on passe par là. Balance-le là, moi. Je le lance. Non, balance-le. Tout seul. Tu vois, ça passe. Oh, sa mère, ça passe. Ça passe. Et maintenant, deuxième solution. Bah là, ça va marcher parce qu'il y a un coin. Tu veux parler? Mais on le penche sur le côté. Vas-y, on parie. On essaye. Oh, mais y'a pas de prise là-dedans. Maman. Eh bien, au pire, on le met sur le côté. C'est ce que je voulais te proposer, c'est pour ça que j'ai démonté en deux le truc. Ah, bon, on le met par là. Oui, t'as tout compris. Mais là, ça va encore m'en penser. Mets-toi par là-bas. Oh, tu veux faire un système de. Allez, je suis dans mon bras. Ah, il y avait tous les cartons. Bah oui, putain, les cartons. C'était où ça? Bah, c'était en dessous. Ah oui, il faut le pousser. Chani! Toi, tu mets ça où déjà? Tu veux pas mettre ça dans le coin? Mets-toi dans ta chambre? Ouais. Y'a de la place dans ta chambre? Non. On est dans la merde? Oui. Oh. Sinon, on ramène le bureau maintenant. Parce que comme ça, on le met là. Comment tu le branches où le lundi? Enfin, tout ça. Pas sur cette petite prise là. Eh, pas de prise électrique? Eh, t'es censé être chez toi, hein. Quoi? Y'a pas de menu. Mais y'a une prise électrique ici. C'est là. Oh, non, y'en a pas. T'as une rallonge? Quoi? On est dans la merde. Mais mec, mais j'avais une prise électrique là. Tristan! Voilà. Y'en a là? Y'en a une là, il y en a une là. Donc tu mets le bureau là. Canapé là. Ouais, mais justement, est-ce qu'en longueur il passe? Est-ce qu'en longueur le canapé il passe déjà? Ouais. Il va passer, mais un mouchoir de poche quoi. Sur la housse, je dirais 206. Ça filme? Oui. Bon, vous ne me voyez pas parce que je suis en contre-jour. Cela fait une demi-heure que Tristan cherche désespérément une solution pour aménager mon bureau parce qu'il y a eu des erreurs de calcul en route. Merci tonton Anaz. Il a fini par me trouver une solution. J'en ai ras le cul de me pencher, mec, ça me fait mal au cul. Et du coup, je le remercierai jamais assez. Donc ceci est une dédicace pour toi, Tristan, si, quand tu verras ce montage. Merci. Mais je ne sais toujours pas si ça va fonctionner. Je vous emporte avec moi, tant qu'à faire. Bonsoir. Hop là. Parce qu'en vrai mec, si on peut fermer la porte, mais tu sais, il faut juste pousser un peu. Je pense qu'il y a moyen. Ah, si on arrive à fermer la porte, franchement, ce serait un miracle, hein. Allez, go. On essaye. Ah, on essaye. Ta gueule. Non. Bah là, il y en a deux là, mais... Bah, elle est pas du bon côté, quoi. Donc j'en ai deux. Bah, il y en a deux là. Oui, Zen. Attends, je veux un reveal. Ils font un reveal. Attends. Est-ce que ça passe ou pas? Tu mettras au montage la musique de Fort Boyard. Let's go!
boyards sont à moi. C'est bon. Ah, fils de pute. C'est bon, on reste comme ça. C'est pas mal, hein. Je vais faire passer ma prise, en fait, c'est sur le côté. Pas en cul, là, hein. Oh. Allez, on continue l'épopée ou quoi? Ok. On met tout déjà celui-là? Là? Est-ce qu'on move ça de l'autre côté? Ouais, on move ça de l'autre côté pour l'instant pour pas se casser les foules. On règle le parquet. Oh, j'espère qu'elle est pas du verre. Putain, j'espère pas non plus. Oh putain. On va te péter la gueule, ta femme. Pourquoi? T'as des quoi dedans? Bah, des cadres en verre. Non. T'as ta femme qui sont pas cassées? Non. Bah, si. Livres. Mais qui lit des livres encore en 2021? Achète-lui un e-book. Putain, mais elle lit quoi des encyclopédies, moi? Ouais, t'as trois prises, quatre. Mec, gros, quoi? T'as deux prises là? Mais y'a un problème! T'as un problème ici! J'en peux plus cet appartement! Attends, mais gros, mais. Attends, mais c'est pas possible! Le mec, il a une prise là, et monsieur a deux prises là, quoi! Non, mais. Mais y'en a aucune en restant de champ! Aucune là, ni là-bas, ni là, y'en a aucune! Genre, l'architecte, si Dieu dit, on en met quatre ici, quoi! Trissant? Quoi? Ah, oh, ça passe pas en hauteur! Ah putain, sa mère, on va encore galérer. Oh. Ouais. Quoi? On l'allonge? Non. Mec, elle va péter. Je suis désolé, mais elle va péter. Il va péter. Hein. Mais la dernière fois que j'ai vu ça, il s'est pété, machin. Vraiment, véridique. En le couchant, il s'est pété. Donc lui, il est foutu de base. Il est foutu. On a dû mettre des équerres, nous, pour que ça retienne après. Parce que t'as tout arraché. Donc non, c'est mort. Je suis désolé, mais là, c'est mort. Moi, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas envie de mourir. Non mais tu te rends pas compte, je crois. Allez, on commence à décharger le meuble. Mais t'es un malade, mais on va mourir, putain. Décharge le meuble. J'ai pas signé pour ça, moi. Je t'ai embauché pour ça. Mais tu m'as même pas payé. T'es duel. Putain de petit con. Les mecs, ils passent en dessous, là, qu'est-ce que tu me racontes? Ils passent. On va le glisser. Et on va le tournoyer là, mais ça passe. Ah putain, je sais ce que tu chantes. Du rouge, oui, du noir. En attendant que je me déguise. Ouais, c'est ça. Oh, j'attends la salle des bains. Qu'est-ce qu'on y va? Bon, j'ai mis la caméra dans le couloir. Allez, on tourne. Et on s'accroche à la vie. Quoi? Royal. Oui, bah, je t'ai dit que ça passait. T'es marrant, là. Oh, ça passe vraiment au degré de pute, hein. Je pousse pas. Ah si, je pousse avec du cul en fait, ça du cul. Quand j'étais grand, j'étais métisse. Non, coupe le montage. Quand j'étais grand, j'étais gauchiste. Toujours pas? Non, coupe le montage. Putain. Du coup, j'ai une question, t'es toujours chaud pour pouvoir placer la commode dans la cuisine? Non, mais je pense que ton bureau, on va le passer par la cuisine. Et pour moi, il y a plus de place dans la cuisine que dans le salon. Ouais, mais est-ce qu'on va arriver? Non, on va pas réussir à le tourner. Tu vas me casser les couilles longtemps? Oh, le focus il est génial! Je vous 30 secondes ici, hein. Vous bougez pas! Welcome to the Levens! Hop! Oh. Y'a un bruit que j'aime pas! C'est pas? Welcome to the Levens! Yes! Yes! Est-ce que t'es content maintenant? Non, parce que je sais très bien qu'il me reste trop de boulot à faire en fait. En vrai, là on avait le plus dur, hein! Les deux meubles étaient vachement chauds! Alors, pour information, on doit encore emmener des étagères dans ma chambre. Et tu n'as pas encore porté mes meubles à tiroirs, ça se sent. Parce qu'ils sont tous remplis rage. Mais tu vas les enlever. T'auras pas pu les enlever avant. Je peux pas enlever les tiroirs. Non mais t'enlèves ce qu'il y a dedans. Bah non, ça fera trop de bordel dans la chambre. Il y en a une qui allait me tuer. Mais t'es un vrai connard. Il y en a une qui allait me tuer. Mais tu l'enlèves là, on va l'enlever et on en remettra après. Non. Après pour autre, c'est les galères. Il y a des roulettes. Non. Mais putain. Alors, comme vous pouvez le remarquer, déjà, il fait tout noir. Ouais. Il va faire tout noir. Ta gueule. Donc on a pris des légères pauses et des prédispositions à savoir commencer un petit peu à avancer parce que sinon c'est chiant. Oui parce qu'après c'est la galère là, putain. Alors crois-le ou non mais j'ai essayé d'esquiver une table qui n'existe pas. Chouchou. Chouchou. Mais gueule. C'est de la merde. Oh là, j'avais oublié le bordel. Bon du coup il a mis le bureau. Enfin j'ai aidé parce que sans moi il serait rien. Bon plus qu'à... Y'a plus qu'à quoi. T'en pensais quoi? En vrai, il est beau son bureau, j'aime bien. Ah. T'exagères, Jérôme.
virtuel, dans le tuyau, il a dû prendre tarif, quoi. Ah ouais, après c'est normal, il y a eu de la poussière et tout, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Fais chier. Bah oui, fais chier. Et pour vous, est-ce qu'il y a beaucoup de poussière en dessous? Ça va durer une seconde ou ça va prendre 20 minutes? On va faire un claquement de doigts. Ça va vraiment durer une seconde. Eh, ça rend bien ou quoi là? Ah putain. Eh, pour l'instant, moi je pense que ça rend vraiment pas mal. Bon, il y a pas tout. Clairement, il y a pas tout. Tu vois, c'est quand tu vois qu'il y a encore... Il y a encore le carton complet à déballer là. En fait, avec marqué figurine, il y a plein de trucs. Il y a tout le setup à réinstaller. Il n'y a plus le PC et les écrans pour l'instant. Mais bon, le cadre management, faut pas filmer parce que sinon ça sera un carnage. Et non, il y a encore beaucoup de choses à installer. Mais ça prend forme petit à petit, c'est cool. Pas mal, hein. Ouais. Ça a de la gueule, hein. Ouais, ça a de la gueule. C'est vachement bien, moi je kiffe.